Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rotation transversale. Parce qu'il n'y a pas de rotation transversale. C'est tout. Or, rotation transversale, ça ne prend pas nécessairement un salto complet. À partir du moment où vous avez un enclenchement de rotation transversale, déjà vous avez un potentiel de vrille. Donc, ce que tu vas faire, c'est un dos debout. Donc, dos debout, on commence à avoir une rotation transversale. Alors, ce que je vais lui demander, c'est durant la transition pour arriver sur les pieds, il va tout simplement faire une action. Il va descendre un bras vers un côté, il va monter le bras de l'autre. Ce qu'il va faire, incliner son corps dans l'espace, et vu qu'il y a une rotation transversale, la vrille va partir. Voilà. That's it. Okay? Et si vous vous placez devant, vous allez voir nécessairement son corps qui est incliné. Or,